Là, c'est l'ancien net de mon grand-père des années 70. Là. Puis, gros net, là, ça a 2 pieds, quasiment 3 pieds de long. C'est peine de plastique, là, cassé. J'ai acheté du tubing, là, 3-4 tubing. Gros là, c'est là, c'est là. Et je soudé ça ensemble, en fer solide, passé les trous, vissé les bottes. J'ai refait l'union. Fait que ça m'a coûté 25$. Sinon, ben un net m'aurait coûté 150$. Puis il y a 8 pieds de long. En plus, comme quand je veux le serrer, là. Hop. C'est bon, là. C'est bien raide. Avec ça. Bon. Fait que là, je peux le baisser. Et tu sais, des fois, là, je vais payer 150$. Là. Fait que ça va mieux pour le serrer. Là. Ça, c'est mon transporteur de canot. C'est une poussette de bébé avec des roues de bicycle. Des poubelles, elle est ramassée. Là, je vais rajouter juste un petit trou là en avant, c'est bon en masse. Puis là, avec la pine ici, j'embarque mon canot. Fait que, je mets le bout de ce canot ici, je pogne l'autre canot, l'autre bout, puis là, je charge mon canot tout seul. J'ai pas fini d'être patenté, là, mais il est bon en masse de même pour moi, les gars. C'est un peu, j'ai une soudeuse, hein, puis pas mal d'outils. C'est un peu comme mon rack à lumière d'aile. T'arrêtes ça, mon vieux. Hey, c'est 450$. Je sais pas si je vois, là. Je t'enlève les crochets. 450$, tu sais. Fait que. Là, ouais. On tente pas d'enlever les crochets. Des fois, tu respires. Fait que je suis allé voir. C'est ça, là. Un vrai rack, tu sais. Fait que j'ai dit, quelqu'un. Je t'ai acheté du fer, hein. Puis ça m'a coûté 50$. Je l'ai coupé, les souder. C'est solide en sein, s'il vous plaît. Hein? Pas dedans avec ça, c'est jamais là. Ça sera pas enlevable, tout est soudé partout. Fait que, essaye de la prendre. Pas de trouble avec ça, mon Dieu. Tu vas tout casser avant de la prendre. Fait que, vernis à bateau encore. Même mon pick-up, tout le tour a été shooté avec du vernis à bateau. C'est comme un rond anti-rouille, là, ça protège. Ce qui fait rouiller, c'est l'air. Fait que si tu coupes l'air, c'est ça qui est ça. Plein d'autres petites patentes que j'aime inventer. Même un safety sur une de mes carabines. C'est moi qui ai coupé du métal, travaillé du métal pour le réparer. Plein d'autres cossins là, que j'oublie, là. Finalement, c'est mes rames rustiques, mon canot.